Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on ouvre le standard. On est en juillet 2019. On a quand même un gros standard jusqu'à cet automne. La section du haut va nous quitter cet automne. Avec la sortie du set automnal, puis il va rester la partie du bas. Donc, on va perdre Ixalan, Rival of Ixalan, Dominaria et Corset 2019. Donc, c'est probablement c'est la dernière fois qu'on les ouvre dans le standard. Il va rester Guild of Ravnica, Ravnica Allegiance, War of the Spark et Corset 2020 avec le set d'automne. Fait que, hey, sans plus tarder, on va y aller dans l'ordre. Jusqu'à maintenant, on ouvre le standard, on n'a jamais vraiment été chanceux. J'espère que on va l'être un peu plus cette fois-là. Donc, Ixalan. On commence avec du bon vieux Ixalan. Bishop Soldier, Nest Robber, New Horizon, Shipwreck Looter, Pounce, Prying Blade, Headstrong Brute, Kin Jelly Caller, Tishana Wayfinder, Encampment Keeper, Pillar of Origin, Stormfleet Arsonist, Imperial Aerosaur et un Traumatic Compass. Deux colorless, 3 plus tap, tu cherches ta librairie pour une basic land, tu la révèles et tu la mets dans tes mains. Au début de la fin de ton tour, si tu contrôles 7 ou plus land, tu transformes en Spire of Oraxa, pardon. Tap d'un colorless, puis tap, untap, une attacking créature, puis tu la remove du combat. Une espèce de Maze of It. Pas mauvais, pas mauvais. On continue avec le Rival Ixalan. Stampeding Horncrest, Raptor Companion, Negate, Dusk Charger, Guildgrove Stalker, Secret of the Golden City, Relic, Armazar, Crown, Squire's Devotion, Hornswoggle, Ragvnus Chupacabra, Cacophodon, et un Italy Primal Storm, 4 colorless et 2 rouges, 6-6 Legendary Elder Dinosaur. Quand Italy de Primal Storm attaque, tu exiles les top cards de chacun. De libérer de chacun des joueurs, tu peux caster n'importe quel nombre de non-land cartes exilées de cette façon sans payer le mana cost. Cool, 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 j'aime ça, Italie. Hey, Dominaria. Dominaria, ça peut être le dernier booster qu'on va ouvrir avant un bout de Dominaria, série que j'ai adoré, personnellement. Chronicler, Benediction of Guard, Acolyte, Protector, Ancient Animus, Power Stone Shard, Unwind, Talid, Shiven Fire, Construct, Urza Tome, Thorn Elemental, oh, History of Benalia. Un colorless et deux blancs, c'est une saga. Un premier tour, tu crées un 2-2 White Knight, deuxième tour avec Vigilance, deuxième tour aussi, puis 3, les Knights que tu contrôles ont plus 2, plus 1, Quendé. Wow, mais c'est pas pire ça, un petit History of Benalia. C'est bien. Corset 2019, j'allais dire 2020, non, Corset 2019. Loxodon, Linebreaker, Frilty Serpent, Trumpet Blast, Iron Blade, Island Game, Ghost Form, Agent, Angel of the Dawn, Pioneer, Gearsmith Guardian, Havoc Devil, Rogue's Glove, Sky Rider Patrol, Vigilant Ballot et un Apex of Power Mythique, 7 colorless, 3 rouges. Tu exiles les 7 top cards de ta librairie. Jusqu'à la fin du tour, tu peux les caster. Tu peux caster les cartes exilées. Si ce spell-là est casté de tes mains, tu peux ajouter 10 mana d'une couleur à ta mana pool. Cool, cool, cool. On continue. On y va. Bon, fait que là, on a passé ce qui s'en va cet automne. Là, ceux-là, on va les rouvrir dans le prochain standard. En fait, on va en réouvrir encore une coupe parce qu'ils vont être encore là pendant une autre année. Righteous Blow, Mesmerist, Urban Utopia, Burglar Rat, Prey Upon, Punch, Locket, Peacemaker. Whoop-a-lay! Darkblade Agent, Glaive of the Guildpath, Guildmage, oui, Dragonauts, et Quasi-Duplicate. Un colorless 2 bleus, tu crées un token qui est une copie de la target créature que tu contrôles avec Jumpstart. Izzet Guildgate et une illusion d'oiseau. Ravnica Allegiance. Spear Spewer, Pegasus, Quench, Brush Rider, Thirsting Shade, Titanic Brawl, Growth Spiral, Exposed to Daylight, Grotesque Demise, Sphinx Insight, Wayfinder, Clamor Shaman, Scrabbling Claw et un Précognitive Perception, 3 colorless,
2 bleus, instant, pige 3 cartes, addendum. Si tu fais ce spell-là pendant ton tour, tu scry 3 et tu piges 3 cartes. Bon, rien se tirer dans les murs jusqu'à maintenant. L'History of Benelia qui était cool. On continue avec War of the Spark, Teferi's Time Twist, Gleam in the Shake, Martyr for the Cause, Contentious Plan, Siren's Thirst, Kroll's Tenure, Seratok, Weird, Topple the Statue, Ugin's Conjurant, Price of Betrayal, Yang Yu, Wildcrafter et un Neheb Dead Horde Champion. Deux colorless, deux rouges, Legendary Creature Zombie, Minotaur, 5-4, Trample. Quand Neheb Dead Horde Champion fait du combat damage à un joueur ou un Planeswalker, tu peux discarder n'importe quel nombre de cartes. Si tu le fais, tu piges un nombre de cartes égal à ce que tu as discarté et tu mets, tu add un mana rouge dans ta mana pool jusqu'à la fin du tour. En fait, jusqu'à la fin du tour, tu ne meurs pas. Tu ne perds pas ce mana-là à la fin à ta end step. Et finalement, un petit corset 20-20 pour compléter le tout. Fairy Mist Créant, Kelden Raider, Angel Gift, Sentinel, Durest, Pacifisme, Befuddle, Centaur Courser, Fang Cryptic Cave, Veil of Summer, Goblin Ringleader et un Temple of Silence. Rendu sur Battlefield tapé, tu scry un et add un noir ou un blanc à ta mana pool. Et ça fait le tour pour notre ouvrir le standard en date de juillet 2019. J'espère que vous avez apprécié. On va se revoir une prochaine fois. Bye bye.